Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo forcément sur Call of Duty Mobile. Et forcément on attend les 2 ans du jeu avec la grosse hype, donc maintenant elle est qu'à quelques jours d'être disponible. Et honnêtement il me tarde, donc n'oubliez pas, on sera en live spécialement pour cet event le mercredi soir jusqu'à 2 h du matin. Ça va un petit peu piquer mais je compte sur vous. On a également d'autre part un post Reddit qui est sorti, donc je vais pas aller vraiment dessus parce que ça résume déjà la précédente saison, ou plutôt l'actuelle saison, avec la future saison. Donc on sait à peu près ce qu'il va y avoir, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dedans. Ça parle du zombie, donc comme je vous l'ai dit, ça sera retiré à la prochaine saison pour revenir mieux à la saison 9, donc logiquement avec Halloween. D'après les rumeurs, il y aurait des nouveaux niveaux de tourelles, de zombies, etc. Et potentiellement également des nouveaux skins de zombies que je vous ai déjà montré en vidéo. Mais la chose à savoir sur le Reddit, c'est que donc ils ont bien officialisé comme quoi c'était un bug le fait qu'on pouvait plus faire justement les rushs de camo pour cette saison. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'était vraiment la saison intermédiaire où il n'y avait pas grand chose à faire. Et donc ça aurait été l'optimal de pouvoir rusher tous ces skins là. Surtout quand on sait que dans la bêta test ça parle pas du zombie, il n'y a rien dedans. Donc on sait pas s'il va y avoir le classique du zombie, mais je l'espère pour pouvoir accompagner une fois de plus ce Undead Siege. Et comme vous l'avez compris, on va aller faire un gameplay mais pas des moindres, avec la Hades du pass de combat. Donc je viens tout juste de finir le battle pass, il y en a beaucoup qui l'ont pas fait ou qui n'avaient pas envie de le finir. Il faut reconnaître quand même que cette saison nous a pas hype du tout, mais voilà, je respecte la coutume. Et donc justement, let's go pour pouvoir tous aller les défoncer avec le canon d'épaule de la fameuse Hadès. Et si vous voulez me faire plaisir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la belle petite notif accompagnée du gros pouce bleu. Let's go découvrir tout ça sur notre bon vieux Nuketown en mode domination. Donc je sais pas trop ce qu'elle va donner la Hadès. En plus de ça, je l'ai pas mis en silencieux, mais bon, voilà, j'estime que j'ai mis des bons accessoires. Donc on va voir comment ça va se profiler. Ouais, en plus avec poids léger et tout. Évidemment, je vous ai mis le Grings en sergent. Donc voilà, on va le découvrir tout de suite. Accompagné de la fameuse Hadès avec, n'oubliez pas, la prochaine mise à jour. Accompagné forcément de l'expression des armes. Ok, donc la personne qui prend le A. J'en profite. Je vais essayer d'aller un petit peu en hauteur d'entrée de jeu. Pourquoi pas balancer mon fumier sur le B. Ok, donc il y en a qui arrive peut-être. Aïe, aïe, what? Attends, mais j'ai mangé d'où la balle? Sans déconner? Non, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. J'étais plus du tout visible, n'importe quoi. Attends, donc il y en a sur le côté. Ah ouais, j'avais oublié qu'elle vise comme la chopper. Ah ouais, non. J'avais oublié, vu que j'ai vu le viseur de la MP5, je me suis dit, allez, hop. Mais non. Donc du coup, on va essayer d'attendre par là. Non, toujours personne. Bon, je sens que ça va être une dérouillée, cette game. Attention. Ouais, il y a forcément un snipe. J'essaie d'aller vers chez eux. C'est quoi, on va essayer de bloquer par là. Je m'en fous de l'objectif, clairement. Regarde-le. Je peux pas le finir. Non, je pourrais pas le finir. Bon, lui, je vais aller prendre toujours sa place parce qu'il ne va jamais bouger. Attends, on va essayer directement de mettre un fumier ici. Pourquoi pas? Eh, pour le moment, on se fait déglinguer. Il faut juste que j'arrive vers chez eux. Mais what? Elle fait pas du tout de dégâts. Attends, il est encore au-dessus. Stoppé, dis-moi. Ah, ce campeur! Oh là 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 là. Il y a encore des gens qui jouent comme ça, franchement, en 2021. Sans déconner, attendre une mine ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va remettre un fumier vers le B. On va faire croire qu'on va dessus. Ok, donc il y en a qui arrive. Le double kill? Non! Mais what? Il lui restait tellement rien. Regarde-moi ça, il a encore remis sa mine. Allez, il veut pas qu'on le dérange. Oh là là, lui, je te jure, je vais essayer d'avoir sa place. J'en ai rien à foutre. Eh, c'est bon. Il est en train de me faire rager. Regarde-le, regarde-le, il bouge pas, il bouge pas. Le mec, il a tout compris au jeu, regarde, voilà, avec la Hadès. Waouh! Waouh, c'est dur de jouer comme ça, décidément. Je vais essayer d'en profiter pour lui mettre ma grenade. Oh là, faut faire gaffe. Ah, j'ai quand même touché avec ma grenade. Attends, il est en face. Non, je pourrais pas le finir. Malheureusement, lui, il va me gonfler. Il va clairement me gonfler en face. Aïe. Dépêche. Il revient pas. Ok, c'est bon. Donc lui, il est mort avec une assist. Et le 3 de mort. Il part où, lui? Non. Il faut clairement que j'aille prendre la place. C'est obligé. Alors, je pourrais pas le finir. Aïe. Vite. Rechargement très lent d'une LMG. On va essayer de rester vers là une fois de plus. Personne. Aïe, voilà. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Mais non, sans déconner. Ah là là là. Je me fais éclater. Parce que je ne comprends pas
la physique de la game. Bon, donc du coup, je présume que si le mec à la première manche, il est resté dans le bâtiment au premier étage, il va faire pareil dans le sens inverse. Donc il va poser ses mines, donc il va me gonfler. Donc je vais essayer d'entrée de jeu de balancer une grenade et d'aller vers chez lui. Et pourquoi pas de balancer un petit pic à gravité si c'est pas suffisant. Allez, on balance la fumée ici, d'entrée de jeu, hop. Pour pouvoir balancer une grenade là. Non. Ça le fait pas. Ça le fait pas, ça commence mal. Ok, il y en a un déjà moché. Il ne veut pas revenir, lui. Ok, parfait. Aïe. Le pic. Mais what? Il a plus de portée, le pic. C'est bon, en tout cas, il a pu quand même utiliser toutes ses boulettes. Laisse-moi le tuer. Ah non, mais derrière son shield, tu m'étonnes. Ça va pas le faire. Je pourrais pas le finir. Ah là là, toujours des termites. Ok, il y en a un qui arrive. C'est bon. On va faire gaffe, on va essayer de rester vers là en attendant. Ouais, il est encore à l'étage. Hein. Allez, crève-toi, c'est bon. Ah là 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 là, vite. Ah, je pourrais pas défendre le B. Il n'y a pas qui arrive. Ouais, ok, parfait. On va essayer un petit peu de clean tout ça. Vite, grouille. Ok, drame de brouillage. Pourquoi pas essayer de prendre le B, mais bon, ça va être short pour moi. Surtout avec tout ce qui arrive. Ah, je pourrais pas le tuer, je pourrais pas. Je l'ai vu d'entrée de jeu que ça allait être compliqué, surtout si le mec il a la Fennec. Et forcément, ça a pris le B chez eux. Attends, tu sais quoi? On va essayer directement d'aller le soulever. Il vient pas? Ah, si, c'est bon. Ok, là, c'est peut-être le bon moment. Ah, là, encore de la thermite. Il me voit vraiment dans le fumier, où il bombarde hasardement. Ouais, d'accord. Bon, lui, il me voyait, mais moi, je l'ai pas vu. Ok, bon. Toujours pareil, je pense. Ok, il y en a deux de mort. Eh ouais, Napoléon, il peut pas tout faire tout seul, forcément. Tu reviens, toi. Ah ouais, non, le tir au jugé, il pue la mort. Il pue la mort. Forcément, t'as 100 face à une MX9 ou à une Fennec. Très compliqué de pouvoir remporter les duels. La seule option qui me reste, c'est de forcément pouvoir jouer la distance. Ah ouais, non, regarde-le. C'est encore le même mec, je crois, de tout à l'heure. Bon, donc du coup, tu veux rester à l'étage? J'arrive, mon ami. Et pas vers là. S'il est encore là, hein, regarde, il ne bouge pas. Hein. Mais what? Non, il sait que j'arrive ou ça se passe comment? Ah ouais, d'accord, ok, il m'a vu arriver. Bon, bah écoute, j'en profitais pour passer vers là alors. Et là, logiquement, je devrais être peinard. Regarde, il est encore là. Hein. Il est clairement encore là. Hein. Non, mais je peux pas le tuer. Là, c'est bon, je vais enfin le tuer. Attends, il y en a encore un qui arrive. Ouais, non, j'en entends rien. Le pic, est-ce qu'il peut me sauver? Non, il a pas pu me sauver. Décidément, le pic. Il nous faudrait un petit buff. Ils ont un petit peu trop nerf, d'après moi. Allez, on se débrouille quand même mieux seconde manche, mais bon, ça campe toujours autant. Regarde, lui sur le côté. Toujours là. Ok, la double. Non, il faudrait défendre le B, j'aurais tué deux. Je peux pas défendre le B. Eh ouais, non, mais sans déconner, c'est normal. Ouf. Eh ouais, non, forcément, il va me déglinguer avec son annihilateur. Ah là là, il y en a trois. C'est là où il faudrait que je mette martyr. J'ai l'impression. Clairement, en plus de ça, la team n'est pas présente, j'aurai ma Fennec, je les dégagne. Et voilà, comme d'hab. Allez, toi tu dégages, monsieur Ghost. Et forcément, on va avoir droit à un hélico qui va peut-être me buter. Allez, tourelle en face. Non, c'est compliqué, très compliqué. En tout cas, voilà. Là, la tête, je l'affectionne, mais il faut avoir une team avec toi. Tu vois, c'est pas possible de pouvoir tuer deux mecs, trois mecs, et qu'après ça, moi, d'aller défendre l'objectif. Il y a clairement quelque chose qui tourne par rond. Après, sur Nuketown, ça passe quand même, parce que la map est quand même assez commencée. Et donc, à ce moment-là, ça donne quand même une opportunité de pouvoir faire pas mal de kills. Mais bon, quand il y a un mec qui campe en hauteur, avec la MX9, avec la Fennec, très compliqué de pouvoir remporter ces duels. Mais bon, voilà, on va dire que la saison, elle était pas ouf du début jusqu'à la fin. Et c'est clairement dommage parce que, en dehors, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contenu dans cette saison-là, les gens, comment ils jouent, ça dénigre davantage un petit peu plus le jeu. Donc, j'espère qu'ils vont faire quelque chose par rapport aux campeurs. Bon, ça arrivera jamais. Mais au moins, le fait, par exemple, de pouvoir enfin nerf des mitraillettes pour pouvoir donner l'opportunité au LMG d'être enfin méta ou alors à d'autres catégories d'armes. Parce qu'avoir la MX9, la Fennec, même si elles ont reçu un petit nerf, on les voit clairement encore très très présentes dans la méta actuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Ciao!